Bonjour tout le monde. Ah, au fait, désolé, Oui. bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, allô? Non. C'est mon téléphone. Je sais pas. En fait, excuse-moi, je suis en direct quoi. Si je termine, je vais t'appeler. Ah, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc, bonsoir, cher ami. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé un moment, bon, il n'y a pas tellement longtemps. J'espère que beaucoup d'entre vous sont au courant de ce qui s'est passé concernant le jeune Fred Dougoutigui, concernant son intervention, concernant ce qu'il a dit. Et bon, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ont chargé cette affaire. Ils ont commencé à l'insulter, le dénigrer, lui dire de n'importe quoi. Vous voyez, donc bon, c'est sur ça que je voulais parler un peu. Donc pour celui aussi qui veut, pour celui qui veut s'exprimer sur cette affaire, bon, je crois que l'antenne est libre. J'ai même laissé mon numéro en, j'ai laissé mon numéro en commentaire, en description, je crois. Donc tu peux, vous pouvez aussi m'appeler. Donc maintenant, moi, j'ai voulu donner juste mon point de vue concernant ce cas. Concernant ce jeune homme. En fait, pour ne pas être hypocrite, pour ne pas être méchant, moi je trouve que ce que le petit a fait, bon, c'est son droit, hein, puisqu'on dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays des droits, on a la démocratie, donc moi je trouve que c'est son droit. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait faire. Pourquoi? Pourquoi c'est son droit? Parce que ça fait longtemps. Ça fait combien d'années? Depuis longtemps, le petit, il était en Côte d'Ivoire là-bas. Il est au pays là-bas. Il se débrouillait dans la ferme de son oncle. Même pour avoir à manger, c'était difficile pour lui. Très, très difficile pour lui. Et un matin, il fait son buzz de savon. Ça a pris de où? Hein? Ça a pris de l'ampleur. Et le ministre du RHDP, le ministre du RHDP, en fait, l'offre. Bon, un plateau en or, je peux dire. Non, de vous à moi. De ceux mêmes qui sont en train de parler, insulter le petit, c'est comme ça. Il a dit quoi de mal? Selon moi, il n'a pas parlé quelque chose de mal, hein. Il n'a pas dit quelque chose qui est mal. Il a tout simplement dit. Il a tout simplement dit 10 ans en code de mandat. Ah, mais puisque là où lui, il a eu pour lui à manger, là, c'est là-bas. C'est là-bas, il veut que ça, les choses fonctionnent bien. Tu vois, non, même si c'est moi, j'allais faire la même chose. Voilà pourquoi aujourd'hui même là, nous-mêmes, ceux-mêmes qui sont derrière l'autre côté, même ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en train d'écrire sur la toile là, à votre avis là, c'est pourquoi? C'est parce que au moment où les autres étaient sur les affaires, les autres étaient au pouvoir et ils gagnaient quelque chose à manger, ils en profitaient. C'est pour ça ils sont en train de crier, crier aujourd'hui. Donc bon, le petit, il a eu sa ferme grâce à Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara l'a permis d'avoir une ferme, d'avoir des poulets. J'espère que la connexion ne dérange pas. En fait, si ça bug chez vous là-bas, là, faites-moi signe pour que je puisse savoir. Je ne sais pas si ça bug ou bien, bon, si la connexion passe correctement. Donc, le petit, c'est grâce à Ouattara. Hein? Aujourd'hui, il a eu l'occasion de monter dans un avion. Il a l'occasion d'avoir une ferme d'une valeur estimée d'au moins 5 millions de francs. Alors, de vous à moi, qui est-ce qui va supporter? Il n'a pas parlé mal. Il dit libérer, libérer. Bien sûr qu'ils vont libérer, mais le pouvoir a oublié ça. Ah, mais c'est la vérité. Aïe. C'est la vérité, il dit.
Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a voulu intervenir, donc il m'a appelé directement sur ce téléphone-là. C'est ce qui a coupé la ligne. Moi-même aussi, j'ai été bête. Au lieu de mettre le téléphone, la puce dans ce téléphone-là, je n'ai pas fait ça. Non, il y a quelqu'un qui a voulu parler au lieu de ma. Parce que le WhatsApp que j'ai mis là, le numéro que j'ai mis là, ça est sur un WhatsApp dans un autre téléphone. Je ne sais pas. J'ai déjà lancé le truc. Je ne sais pas si j'ai pu arrêter, puis reprendre. Bon, au fait. Vous qui voulez m'appeler là, pour ceux qui veulent parler, s'il vous plaît, appelez-moi sur, comment on appelle la WhatsApp. Voilà, comme ça sera possible. Si c'est sur mon numéro directement que vous m'appelez, ça ne peut pas. Ça va couper le live. Ça va couper le live. Donc, vraiment, excusez-moi pour ceux qui voulaient appeler directement. Mais je crois aussi que non, appeler sur WhatsApp est mieux. Hein? Appeler sur WhatsApp, c'est encore plus mieux. Voilà, pour ceux aussi qui n'arrivent pas à me joindre, vous pouvez laisser vos numéros en commentaire. Moi, je vais essayer de vous contacter. Donc, je disais, concernant le cas du jeune frère d'Outigui, c'est comme ça. Donc, il faut quelqu'un qui est bête, hein, pour avoir cette opportunité et puis essayer de suivre d'autres personnes bêtement. Il a bien dit, je ne fais pas la politique, mais où pour moi sort là, c'est là-bas, je m'en vais. Il y a pas une autre manière de comprendre cette affaire. C'est tellement simple. Et il a mis savon dans son oreille. Il a mis savon dans son oreille. À cause du savon, il a les vrais goûts aujourd'hui. Il parle avec les ministres. Il a pu tenir la main d'un ministre à cause du savon qu'il a mis dans son oreille. Le gouvernement même du Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais au fait, parfois, je ne sais pas si nos frères ivoiriens, il y a d'autres qui ne comprennent pas français, ou bien c'est comment. Bon, au fait, il ne faut pas y dire nos frères, la majorité même des gars. Parce que ce sont les gars qui sont en train de faire les bêtises, quoi. Le gars, il était là, il était à la ferme de son père, peut-être même qui le salaire même qui prenait même quand il était à la ferme de son oncle, ça, peut-être même ça ne vaut même pas 15 000 francs. Puisque moi-même, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans une ferme. Je connais le salaire. Ce n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, là, le gars, il est là, il travaille à son propre compte. Je sais pas. Au fait, si vous, si, comme je suis en direct ici, là, donc je vois à côté ici, ça tourne là-bas. Je ne sais pas si ça tourne chez vous aussi. Bon, je ne sais pas. Donc, si ça dérange là. Faites-moi signe, faites-moi savoir. Hein, peut-être je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Si ça dérange là, faites-moi savoir. C'est pas, c'est ma connexion là. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, je disais, concernant le petit là, tout à fait, il est dans ses droits. C'est ça, moi, je peux appeler la liberté d'expression. Il n'y a pas d'autre que liberté d'expression dans cette affaire de Dugoutigi. Donc, vraiment, mon petit. Dougoutigui, si tu m'attends là, hein, au cas où tu m'attendais, au cas où si tu m'écoutais, en fait, moi, il ne faut pas rentrer dans la politique comme tu l'as si bien dit. Voilà, mais tu as choisi ton camp. Moi, je te donne raison et tu es libre de choisir le camp que tu veux. Tu es libre de choisir le camp que tu veux parce que c'est grâce au camp que tu as choisi actuellement là. Hein? C'est grâce à ce camp aujourd'hui. C'est grâce à ce camp que tu as choisi aujourd'hui là, que tu es bien, tu as toi-même tes propres moyens, tu ne dépends plus de quelqu'un. Donc vraiment, courage mon petit. Faut pas écouter ceux qui sont en train de parler à gauche, à droite pour dire que non, faut demander pardon. Tu vas demander pardon là, c'est à qui tu as demandé pardon? Tu n'as pas fait mal à quelqu'un, tu n'as pas parlé mal à quelqu'un. Hein? Oui, allô? Oui? Ah, monsieur, bonsoir. Oui. Oui, au fait, j'étais en train de parler de Dougoutigui. Il y a quelque chose qui s'est passé un temps en Côte d'Ivoire. Les gens se sont acharnés sur le petit. Ils ont commencé à l'insulter de gauche à droite. Voilà, donc au fait, c'est pour ça que j'ai laissé mon numéro en commentaire. Donc, pour celui qui veut intervenir, donc qu'est-ce que tu as dit sur cette affaire, toi?
Ah bon, toi tu trouves que Dougouti est la foutaise. Au moins tu peux m'expliquer pourquoi. Parce que quand tu dis la foutaise là, c'est que tu as au moins une raison valable. En fait, quand chez toi, quand il dit temps de Dieu est passé là, toi tu penses à quoi? Que ça te fait penser à quoi? Temps de Dieu est passé. Genre, il est en train de blasphémer ou quoi chez toi? Tu sais très bien, tu sais, bon, moi, à mon avis, moi, je suis un gars, je te dis vraiment que je suis un gars. Voilà. Je suis Oui. pas un adulte. Je suis un gars. Nous, là, nous, je sais qu'on peut dire le bon Dieu pour qu'on puisse le libérer. Et puis, on va voir ce qu'on peut. Parce que la fin de ça peut faire des démarches pour la réconciliation. Ok, je te coupe pas la parole. Hein. Quand tu as parlé de lui. Il a eu, on lui a donné ferme. Oui, mais quand même, c'est sa manière de dire merci aux gens, ceux qui l'ont aidé. Là, si c'est moi-même, à mon avis, je peux dire oui, il a raison. Mais c'est la parole de Dieu pour dire non que oui, 10 ans, et puis venir demander pardon. On sait que c'est pardon, on va demander, mais on va faire comment? Ils sont déjà, le RDPD est installé. Voilà. Et puis, chez nous, le goût aussi, on s'entend pas. On s'entend pas très bien, tellement qu'il y a tellement de polémiques, on dit n'importe quoi. Jure, nous, on est là, nous sommes là pour faire des directs dans des autres. Nous sommes là pour insulter des gens, maman des gens, tante. Tu vois, c'est le truc. Bon, moi, je pense que le RHDP avance très bien parce que le RHDP travaille. Moi, je suis un gars, mais je reconnais que le RHDP travaille. En fait, Donc, tu vas m'excuser, hein? Je vais te poser une question. Parce que quand tout à l'heure, quand tu étais en train de parler, tu as parlé de. Il dit que non, ils n'ont qu'à venir demander pardon. Que 10 ans. 10, quand le pardon dont il est en train de parler là, à toi, ton avis là, c'est faux ou c'est vrai? Parce que toi-même, tu sais la politique ivoirienne là. Hein? Écoute, la politique africaine. parce que tu me laisses m'exprimer. Oui. Parce que, voilà, parce que Afin Guy est en train de faire des démarches, il est allé au Ghana pour voir des gens qui sont en exil là-bas. Il est allé dans le procès des choses, comment dirais-je, Babou, il est allé là-bas, voilà. Tout ça, il est en train de chercher la réconciliation pour que le RHD, parce que si on libère Babou et que le président Abdou n'est pas d'accord, voilà, si Alassane Dramane Ouattara n'est pas d'accord que les gars rentrent au pays, les gars ne peuvent pas rentrer au pays. Donc, c'est pour négocier. Une fois qu'on laisse Babou public Boudé, les gars peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le seul pardon. Mais un individu comme ça, lui, il est dans sa ferme, il est là, c'est lui qui parle de. Lui, il connaît quoi? En fait, toi-même là, moi je peux dire que non, c'est toi, tu n'as rien compris dans le discours du petit. Il faut encore réviser son discours, sa vidéo. Son affaire, où il a dit, tant de Dieu est déjà passé, où ça? Tant de Dieu était là, et puis maintenant, comment Alassane, il a envoyé des gens pour venir attaquer le pays, quoi. Non, Alassane n'a jamais envoyé quelqu'un pour attaquer le pays. Soit ce sont des histoires que tu veux rentrer dedans. Donc, ce genre de débat là, écoute. Ce genre de débat là, je ne vais pas en parler. Ok, j'ai seulement écrit que non, je vais parler du sujet de Dougoutigui. Si tu veux intervenir, moi je te demande pardon, il faut rester seulement dans le sujet. Parle de Dougoutigui. Voilà, Alassane a envoyé les gens pour attaquer le pays. Ça, ce sont des faits divers. Ce sont des paroles qui ne sont pas fondées. Et tu le sais très bien. Tu avances des accusations fausses dont tu ne sais même pas de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Donc, ce sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Parlons de Dougoutigui. Voilà, en ce qui concerne Alassane, moi-même, je ne maîtrise pas le sujet. Voilà, donc, si toi, tu maîtrises, je ne peux pas faire le débat avec toi. Voilà, quand tu veux faire un débat, il faut maîtriser au moins un sujet. Le sujet d'Alassane a envoyé les gens ou pas, là, je ne maîtrise pas, donc je ne veux pas en parler. Voilà, donc, il y a quelqu'un qui peut en parler. Il y a quelqu'un qui peut en parler sur cette chaîne, Rossi Bejo. J'espère que toi-même, tu suis souvent la chaîne. Voilà, donc, il y a quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui parle de ça. Mais moi, mon point de vue aujourd'hui, parce que quand j'ai vu les gens s'acharner sur le petit, ça m'a tellement choqué. Ça m'a fait mal. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai voulu juste apporter mon soutien au petit. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc, là où tu vas pour dire Alassane est rentré ici, sorti comme ça, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Parlons, restons dans le sujet. Parlons de Dougoutigui, le petit. Voilà, donc si tu peux. Ton intervention peut aller dans ce sens-là, je te laisse la parole. Mais si ça ne peut pas aller dans ce sens, Ok, merci, 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 ok. merci, merci, mon frère. Et
tu as raison. Bon, moi, je pense que je vais arrêter là parce que je pense qu'on ne va pas s'attendre là. Ok, attends, je vais te poser une question. Présentement, tu es en train de me parler là. Tu suis encore le direct, non? Et ça ne crache pas chez toi là-bas parce que j'ai. Je sais pas. Il est parti. Donc, bon, voilà quelqu'un qui est venu intervenir. Il est en train de parler. Il sort du sujet et il va parler d'autre chose. Ce n'est pas de ça que moi, je suis en train de parler. Moi, je parle du comportement du petit que des gens sont en train de critiquer. Hein? C'est de ça que je suis en train de parler. Le gars, il vient, il laisse le gars et l'affaire du petit, du jeune frère de Goutigui, et il attaque autre chose. Donc, bon, pour ne pas discuter beaucoup, puisque ce sujet, mais moi-même, je maîtrise pas, donc je ne peux pas en parler. Monsieur, bonsoir. Bon, monsieur, j'appelle d'Algérie. Vous vous appelez d'Algérie. Oui, je vous attends très bien. Vous appelez de l'Algérie. Au fait, j'avais reçu un appel, donc ça a interrompu un peu. Excusez-moi. Donc, j'ai quelqu'un qui est en ligne. Bon, ok. Bon, tu sais, très bien, il y a un intervenant qui vient de passer tout à l'heure là. Oui, oui. Tu sais, le bon, ils n'ont rien encore compris. Mm. Ceux qui les appellent Bobo, ils n'ont rien encore compris. Mm. Le petit, lui, il était dans sa somme de son oncle. Oui. Il s'occupait des choses de son oncle. Oui. Dieu, il a fait un petit buzz là, grâce à ses buzz. Oui. On lui a donné ferme. Jusqu'à on lui a donné une moto même pour se déplacer tout sur la main. Parfaitement. On lui a donné un iPhone, je sais pas, je crois que c'est un iPhone 7 mais Plus, si, non? Mais si c'est pas iPhone, mais si c'est pas iPhone, mais si c'est un téléphone, pour dire allô, allô, pour un des clients, tu peux acheter des choses. Oui. C'est pour lui, c'est très beau. Oui. Tu sais, le petit, il était isolé, on ne le connaissait pas. Exactement. Il a fait une chose, c'est bon. Mm. Moi, je suis un parti dans l'avantage, je n'ai pas des partis. Mm. Voilà, donc, voilà. Le petit, grâce à ça, il a été connu. Oui. Il fait ses trucs, c'est bon. Mais il ne sait pas comment il va remercier. À part quand il a fait ses deux, on lui a donné ses cadeaux. Il n'a jamais remercié le RHDP. Oui. Donc Dieu a fait. Donc aujourd'hui, il a pris son temps pour remercier le RHDP. Puis il a vu que le pays partait très mal. Mais... Oui. Donc il est venu s'exposer. Non, il n'est pas dans la politique. C'est pas tout le monde qui peut être d'accord en politique. Mais il n'est pas dans la politique. Il a bien dit. Ah oui. Il a précisé que je ne fais pas la politique. Oui. Voilà, lui dit je ne fais pas la politique. Donc c'est une manière de remercier le premier ministre et puis le RHDP. Exactement. Vous comprenez? Oui. Mais il y a des gens qui pensent que lui, ce qu'il a fait, c'est méchant. Non, ce n'est pas méchant. Mais si c'est moi-même, je vais le faire. Mm. Je vais le faire. Quelqu'un qui est sale, et puis quelqu'un de quitte là-bas, il vient te donner de l'eau pour te laver. Mm-hmm. C'est la personne qui va le messier. Ça, c'est ça. Mais les gens qui sont là, ils rencontrent des bêtises pour dire, oui, c'est comme ça, oui, tant de Dieu doit passer. Mais c'est un truc, c'est lui, il a dit ça comme ça. Et puis, du coup, tu lui as dit, du coup, tu veux le voir. Non. C'est comme un gars qui n'est pas là, le compte, il n'est pas le loi, le compte. Parfaitement, le ministre même a précisé ça. Il y a un jour, quand ils ont accusé. Quelqu'un, je ne sais pas s'ils avaient piraté le compte de Dougouti, bon, en fait. Bref, on fait bref. Donc, continue, je t'écoute. Je ne vous reçois pas bien. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, quoi. Donc, je vais essayer de prendre la personne. Tu dois avoir un problème de réseau. Je ne t'attends pas bien. Donc, c'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, monsieur, bonsoir. Allô, vous me recevez? Ok, donc vous êtes en direct. J'espère. Oui, allô, vous êtes en direct. J'espère que vous me recevez. Ok, bonsoir, monsieur Diarasouba.
Monsieur Diarra Souba, bonsoir. Oui. 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 Exactement, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. 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 C'est ça. Au fait, je ne vous entends pas bien. Il y a un souci de réseau. J'ai du mal à vous attendre aussi. Je ne sais pas. C'est le souci de réseau, c'est à mon niveau. Au fait, excusez-moi. Hein. Si vous m'attendez bien, je suis en train de parler sur le live là. Si vous m'attendez bien, si ça bug pas chez vous là-bas, là, faites-moi. Si ça bug chez vous là-bas, faites-moi savoir. Parce que chez moi ici, ça ne, bon, ça fait pas de problème. Bon, quant au téléphone. Quand je communique sur le téléphone, ça crache beaucoup. Donc, bon, je ne sais pas si ça passe bien sur le live. Je ne sais pas si chez vous là-bas, vous m'attendez très bien, s'il n'y a pas de problème. Donc, messieurs, je vous écoute. Ok, donc je vous écoute. Oui. 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 Oui, je vois. OK. Exactement. Oui. Ça, c'est vrai, parce que ça c'est vous avez l'idée de la cohésion. Oui. Oui. Non, c'est pas une bonne chose même. Au fait, la guerre là, c'est pas une bonne chose.
Même tu vas loin, même en Côte d'Ivoire, même le ce qui s'est passé là-bas, nous tous on a vu, on était témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était en fait, on veut plus revivre ce genre de situation, quoi. Donc, Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ton message a été bien entendu. Maintenant, toi, maintenant, concernant le cas de Dougoutili, le petit, je ne sais pas si vous m'attendez. Concernant ce que le petit a fait, quel mot toi tu as à lui laisser? Vous avez à lui laisser. Quel mot vous avez à dire à l'enfant? Oui, ça c'est vrai. Oui. Si, ça c'est vrai. C'est ça. Il n'y a pas de problème. OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. OK. Bonne soirée à vous. En fait, le numéro WhatsApp est disponible en description. C'est le 35, pardon. Si vous voulez appelez-moi sur WhatsApp. Comme ça, je suis joignable sur WhatsApp. Sinon, que si vous m'appelez directement, ça risque d'interrompre le live. Donc, le numéro, c'est le 35, 0039 35 12 69. 93 90. Voilà. 00 39 35 12 69 93 90. C'est le numéro WhatsApp pour celui qui veut donner son point de vue concernant. Pour celui qui veut laisser un message à nos petits frères, Dougoutigui, puisque c'est un petit frère à nous. Voilà. En fait, il faut leur donner mon numéro. Donne-lui mon numéro. Donc, c'est un petit frère à nous. Hein? Donc, mon numéro qui se termine par 90. C'est un petit frère à nous. Oui, allô? Je vous entends, messieurs, je vous entends. Qu'est-ce que vous dites? Ok, y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok, au fait, c'était le jeune frère, celui qui avait l'habitude de faire les vidéos sur cette chaîne-là. Donc, c'est lui, comme il ne se porte pas bien. Donc, bon. Et puis, j'avais constaté aussi concernant, j'avais vu ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le petit frère d'Outigui, dont j'avais voulu donner mon point de vue et puis partager mes idées avec vous et avoir aussi vos points de vue.
pour voir ce que vous pensez de cette affaire, de ceux qui sont en train de l'insulter et aussi de ceux qui le soutiennent. Personnellement, moi, je fais partie de ceux qui soutiennent le petit parce que chez moi, il n'a pas fait quelque chose de mal. Voilà. Donc, c'est le jeune frère, celui qui a l'habitude de faire Rossi BGO, celui qui a l'habitude de faire les lives sur cette chaîne-là. Donc, il vous passe le bonsoir. Donc, lui-même, il ne se porte pas bien dans ces 2 jours-là. Il est un peu malade. Donc, vraiment, souhaite-lui bonne guérison. Donc, c'est ça. Il vous dit bonsoir. Donc, j'étais en train de. Je reviens à mon sujet maintenant. Pour ceux qui veulent intervenir, le numéro est en description. C'est en titre. Soit vous pouvez me demander aussi, je vais mettre le numéro dans les commentaires aussi si vous le souhaitez. Donc, j'étais en train de dire que les gens se sont acharnés sur notre petit frère Dougouti jour et nuit. Depuis, il a fait sa sortie, les gens sont en train de l'insulter, on dit les teints, c'est comme ça, on le traite de n'importe quoi. Bon, moi je trouve que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal. Excusez-moi, j'ai encore été interrompu. J'ai dit, appelez-moi sur WhatsApp. Si vous m'appelez directement sur mon numéro, ça va interrompre le direct. Vous voyez? Voilà, le numéro que j'ai mis, c'est un numéro WhatsApp. La puce est à l'intérieur de ce téléphone sur lequel je suis en train de faire ce live. Donc, si vous appelez, ça coupe le live. Donc, appelez sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp. Si vous appelez sur WhatsApp, voici le téléphone de WhatsApp. Voilà, donc si vous appelez WhatsApp, voilà, je peux décrocher à partir d'ici. Non, mais si vous appelez directement, ça va sonner sur ce téléphone et ça va interrompre encore le direct. Donc, appelez-moi ici. Voilà, le WhatsApp, le numéro WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp, comment on appelle là? Un instant. Donc, le numéro WhatsApp est en titre. J'ai mis le numéro WhatsApp en titre. Donc, pour ceux qui veulent, en tout cas pour ceux qui veulent parler, ceux qui veulent intervenir, peuvent appeler. Pour celui qui veut parler, peut appeler. Voilà, je vais lui laisser la parole. Il va donner son point de vue concernant cette affaire. Cette affaire de Dougtigui. Voilà, parce que en tout cas, beaucoup de mon palier. Ali Koné, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que ça va bien chez moi, ça va très bien. Léa Alsa, salut à toi aussi. Daou, Sidibé, salut Sidibé, comment tu vas? Ah, en tout cas, on dirait que tu es d'accord avec moi. Hein? Le petit a parfaitement raison. Ouais, Daou Sidibé, effectivement, je peux dire que c'est la jalousie, c'est une histoire de jalousie. C'est la jalousie parce que mais moi je comprends pas quoi. C'est pas mal ce qu'il a fait. Il n'a pas fait un crime, il a juste dit 10 ans encore de mandat. Mais où est quelque chose qui est mal? 10 ans de mandat pour que lui puisse avoir, pour que lui puisse être bien, puisque c'est grâce à ce régime aujourd'hui, il est bien. Aujourd'hui, chacun défend ses intérêts. Il a défendu ses intérêts, vous les gars même qui êtes en train de crier partout, partout, sur la toile là. Pourquoi vous êtes en train de crier? C'est vos intérêts, vous êtes en train de défendre. Parce que vous savez que vos leaders là, s'ils reviennent aux affaires, hein, vous avez de l'intérêt dedans. C'est pour ça que vous êtes en train de crier. Donc, si lui il crie aussi et puis il défend quelqu'un qu'il a enlevé dans la misère, nous tous on connaissait la vie de l'enfant, on connaissait au fait. On savait comment il vivait. Maël Jean, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure là. Il ne se porte pas bien. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est quel nom, s'il vous plaît? Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez garder l'anonymat. Hein? Ok, donc vous êtes en direct. Bonjour d'abord. Bonjour, bonsoir. Chez moi, c'est bonsoir.
chez moi, j'ai bonjour. Ok. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, vous pouvez diminuer la télévision derrière, comme ça on peut s'entendre. Parce que j'ai. Oh là là, il est parti. Donc oui, je vous écoute concernant l'affaire. L'affaire d'Ougoutigui, quel est ton point de vue? Mon frère, là, lui, il a, comment on appelle, comment j'ai dit ça? Lui, il pose les questions. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tel sujet, le sujet, c'est pas ça, c'est. Comme ça, et puis en réponse, je ne sais pas, donc je peux savoir quel est le sujet d'aujourd'hui. Au fait, c'est la vérité, ce que tu dis, c'est la vérité. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de parler uniquement que de Dougoutigui. Il y a un moment, Dougoutigui a fait sa sortie où il a dit que 10 ans de mandat encore pour le RHDP et ouais. Comment? Voilà, on parle de Dougoutigui. Quel est ton... J'espère bien que tu as déjà écouté la vidéo de Dougoutigui. Donc... Oui, j'ai écouté la vidéo de Dougoutigui. Non, il y a plein d'intervenants aujourd'hui là pour. Ok, donc la question maintenant, quel est ton point de vue concernant la sortie de l'enfant? Mais le petit, ils l'ont obligé. Non, attends. Non, on n'est pas obligé d'aimer qui on veut. Oui, j'écoute. Tu es déjà en direct, je te laisse parler. Voilà, j'ai dit où? Bon, moi, je n'ai jamais vu un autre, on a l'habitude avec que ce soit les corps, les soroïdes, les RHDP, tout le monde, nous tous, on a l'habitude, c'est pas toi de voir, on a l'habitude de voir l'autre, son frère, tu vois, non? Oui. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit, là, on a l'habitude de les questions, c'est les questions qu'ils nous posent, qu'est-ce qu'on pense de ça, qu'est-ce qu'on pense de ça. Mais, pour quelqu'un qu'on connaît, il a fait buzz, pour quelqu'un qu'on connaît qu'il a fait buzz, maintenant, après son buzz, il y a un autre buzz qui est venu encore. On sait pourquoi il a fait ce buzz-là. Nous tous, on sait. Ou bien, toi, tu sais, moi, tu sais pourquoi il a fait ça. Oui. Il a fait cette vidéo. Bon, peut-être toi, tu ne sais pas. Hein. Mais moi, je sais. C'est par reconnaissance, ou bien. Oui. On va laisser le côté politique. Laissons le côté politique. C'est par reconnaissance. C'est ça. Voilà. Voilà pourquoi moi, ça me fait mal. Voilà. Voilà pourquoi moi, ça me fait mal que les. Non, 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 moi, au fait, moi, c'est, je mets le côté politique à côté. Oui. Très bien. Oui. D'accord, j'écoute. Où tu as assis là? Je ne parle pas de quel parti tu es, que tu sois PDCI. Moi, il y a des titres qui répondent que je suis RHDP, je suis Abo, je suis Mouton de Abo. Qu'est-ce que tu fais ça? Ok, je t'écoute. Donc, ce qui veut dire même que non, tu as pris la vidéo au milieu, tu n'as pas. Tu n'as pas parce que si tu n'avais. Si... Oui. Quand je vois quelque chose, ça vient directement dans mon téléphone. Si je ne réponds pas, c'est que je suis au travail. Oui. Mais aujourd'hui, dimanche, on est là pour ça. On est venu discuter. C'est pourquoi souvent, je dis que Dieu nous donne longue vie. Parce que dans la nouvelle génération, je venais, c'est ce que c'est ça. Oui. Avant, on ne faisait pas du tout comme ça. On ne faisait pas venir t'asseoir moi. Qui va t'écouter? Toi, tu veux c'est les gens ne travaillent pas. En tout cas. Voilà. Donc, allez là. Il n'y a pas de discours de quelqu'un. Personne ne peut pas. On ne peut pas parler. On revient pour parler de tout. Non. C'est ça. Moi, effectivement, ils sont en train de parler à la radio. Il y a les gens de gauche qui sont en train de parler. Tout le monde est en train d'écouter, peut-être. Peut-être toi, tu ne sais pas, mais je sais ce qu'ils voient ici. Les gens sont en train d'écouter. Même après, là, peut-être les gens vont venir regarder. Après, là, les gens vont venir regarder la vidéo. Peut-être si la vidéo ne va pas rester. Mais c'est méchant, mon ami, mon frère. C'est très méchant. C'est méchant. En bon point. Donc, tout ce peut dire, tout ce qui peut pas dire qu'il y a 10 ans ou rien. 10 ans, 10 ans encore, pas de 10 ans encore. Tout ce qui ne peut pas dire ça. Mais il y a une imbécile de vieille qui a parlé là-bas, qui insulte les étrangers matin, midi, soir. Mais quand on insulte les étrangers, je me fais, je suis né à Dalois, mon frère. Je suis né à Dalois, il y a grandi à Dalois. Si tu veux dire là, si tu veux la faute, dire que je suis étranger. Votre président Babola nous a divisé. Nous,
on était derrière Bago, parce que là, ça a pas de ça, on a entré Balo. Ça a pas de ça, on a entré Balo. Parce que tout le monde a comme ça. Donc ça a pas de ça. Ça a pas de ça, on est venu dans la radio aujourd'hui, qui parle de la radio, à la télévision pour venir parler. Vous dites, voyez, vous dites qu'à Tiké, ils ont comme ça, donc ils sont fâchés. Mais hier, il y avait, si tu ne m'as pas vu sur Facebook, hein, on a vu nous tous, les gens qui sont à Paris là-bas, là, ils disent qu'ils vont venir attaquer. Ils savent, ils ont le truc de quai, ils vont venir nous attaquer. Ils vont venir attaquer le pouvoir Ouattara, sa famille, c'est l'autre. Ils ont dit les trucs, hein. Ils ont dit les trucs. Mais non, on les attend aussi. Eh, petit, on les attend avec Jerry. Quel de quoi tu vas l'entendre faire. Moi, mon fou de votre télévision, vous êtes à la télévision, vous êtes assis à Paris. Là. Dieu merci, nous, Dieu nous a donné partir. Nous tous, on est venus à l'aventure. Je le sais que. Ils sont très bien avec moi là. Il y a des gens qui sont là, ils m'ont dit, ah non, c'est l'émotion, ou bien il est fâché comme ça, non, il n'est pas fâché pour vrai. Il y en a qui, il y a les moutons qui sont sur le dos, il y en a qui, il y a les moutons qui sont sur le bateau là. C'est comme ça, il y a les moutons qui sont sur Ouattara. Donc tout ce qui sera positif sur Ouattara là, on va aimer ça, mon frère. C'est que Doudré a dit là, tous les petits joueurs sont d'accord pour ça. C'est quel bateau là, c'est quel bateau, si tu te disais qu'il y a qui se tenait le bateau, je disais ça. Tous les mois de bateau seront d'accord pour ça. Mais il y a quel problème? Mais au fait, moi, tu ne me comprends pas. Moi, j'ai dit, le petit, il est dans ses droits. C'est normal ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé mal. Maintenant, bon, toi, tu chipes moi. Comme sinon, moi, je soutenais le petit. C'est ça, moi, je t'ai dit, tu as pris le sujet au milieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler encore. Donc, il faut tirer ta conclusion. C'est mieux comme ça. Il faut tirer une conclusion de au moins une minute. Voilà. Ma conclusion est que je n'ai pas fait un bon jeu. Je n'ai pas le jeu de petit en bête. Tu comprends, non? Ouais. Il y a sa voix sur mon oreille. Je viens à peine de me réveiller. Le monde entier a aimé ça. Ils ont aimé le beige. Ils ont aimé tout. Il est venu, on ne le connaît pas. Voilà. C'est comme ça aussi. Il est venu faire une vidéo, il dit « Ado, RH de vous, rien. » Peut-être que vous allez tiquer quand les gens sont fâchés parce qu'il n'est pas, il a dit « Ouais, c'était temps de Jésus. » Tu vois, non? Mm-hmm. Mais il dit « C'est lui qui arrange, il a bien dit, il dit « Celui qui arrange le pays, c'est lui, nous, on suit. » Même si ce n'est pas Ado, là. Même si ce n'est pas Ado, moi, je suis Ado ou rien. Mais si ce n'est pas Ado, là, c'est lui qui vient, qui va venir arranger, là. C'est lui, on suit, mon frère. C'est ce que le petit a bien dit, il a bien répété. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut dire à tes frères qu'on pense en bon Dieu, non pas le jour de petit après. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma conclusion. Il n'y a pas grand chose. T'as fait le tour de la dernière. Je sais qu'il y a le gon, les bonnes qui sont assis là-bas. Voilà, ils sont en train de raconter leur vie. En fait, moi, tu sais ce qui me fait rire dans cette affaire. C'est que toi-même, tu n'as pas compris le sens de ma vidéo et puis tu es venu même à mon... Ça dit, c'est contre moi, tu es venu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, ciao. Au fait, toi, tu viens de m'appeler tout à l'heure sur mon numéro WhatsApp, le numéro directement là. Tu es en Italie ici. Parce que j'ai vu un numéro italien. Je ne sais pas si c'est... Donc, essaye d'enregistrer mon numéro. Tu vas m'appeler sur WhatsApp, s'il te plaît. Moi, j'ai mal fait. J'ai lancé le direct et puis je me suis rendu compte que la puce que j'ai mis le numéro là, c'est dans ce téléphone. Donc, je ne voulais pas arrêter le direct et puis retirer la puce. Vous voyez, donc s'il te plaît, fais un effort, c'est juste pour aujourd'hui. Tu vois, non? Donc, si tu veux appeler, essaie d'appeler sur mon WhatsApp. Comme ça, tu peux me joindre. Au fait, si c'est pour parler... Ou bien si tu ne me connais pas aussi, si ce n'est pas pour intervenir, tu attends.
Si je termine le direct, moi-même, je te rappelle. Donc, c'est comme ça. Voilà, merci bien, tu m'appelles. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, mon frère. Oui, j'ai raccroché parce que j'ai fait. Oui, je t'attends très bien. J'ai fait une bêtise. Au lieu d'enlever la puce, mettre ça dans l'autre téléphone avant de lancer le direct, j'ai laissé la puce dedans. Donc, tout le monde est là à m'appeler. Ça coupe le direct là seulement. Donc, oui, je t'écoute. Oui. À la RDI, qui est tout le monde qu'on peut la vue. Il y a Oui. plusieurs partis en Côte d'Ivoire, comme les Oui. partis opposants. Il y a Oui. beaucoup d'entre eux qui veulent faire les au fait de dire quoi. Mais s'ils Oui. n'ont pas eu à le faire, quelqu'un d'autre le fait. Ils s'acharnent sur le petit pourquoi pas. Ah, moi-même, c'est ma préoccupation. Moi-même, je Nous, on me. n'arrive pas à comprendre. C'est ça, mais moi-même, c'est la même question que je me pose. Le petit d'abord, même là, de vous, Il est en petit, Afrique, il est quelqu'un qui te exposé, fait du il est bien. exposé. Il y a les artistes. Il y a les artistes qui l'ont pris, qui l'ont donné iPhone 6. Nous, on est ici, nous, on a vu. C'est Il y ça? a les artistes qui ont donné iPhone, les drills, ils ont fait des belles de petits. Tous les partis étaient là, FPI, PDCI, IDS, eux tous étaient là. Personne Oui. n'a eu le courage de venir imposer quelque chose de petit. Si quelqu'un d'autre le fait, en ce moment, ça en haut. Nous, on a l'aventure ici. Toi, tu es à l'Italie, moi, je suis à l'Italie. Là, tu sais comment ça se passe. C'est On a nos ça. trois frères même qui sont ici, les Ivoiriens même là. Il n'y a pas plus malhonnête que les Ivoiriens qui sont à l'Italie ici. Nous qui sommes à l'Italie, on sait comment ça se passe. N'y a pas Non, de c'est la problème. réalité, c'est dit. Moi, ici à Milan, est-ce que tu comprends? Oui. C'est quelqu'un d'autre qui nous aide pour avoir le travail à l'Italie. Nos frères Ivoiriens ne sont pas prêts. Comment ils ont écrit? Surtout les anciens même qui sont ici, là, et tous, c'est les malhonnêtes. Mais je te dis quoi, si ils te donnent quelque chose à faire là, demain là, tu vas être plus que eux. Les Mais maintenant, déballes. à chaque fois, ils vont t'appeler un petit, tu es où? Tiens, au café, viens en bas, on se met en l'aise. C'est les problèmes sont moi qui est là. Nous, on est ici depuis 2015. Ah, ok. Mais tu Ça vois, y est, est-ce tu que viens maintenant, ils d'arriver vont nous dire alors. comment? Non, oui, on vient à peine d'arriver, mais nous, on a fait un tour au pays. C'est fait du arrêt, on est venu il n'y a pas longtemps, mais on remercie le bon Dieu. Dieu nous a fait grâce du matin. Ok. Ne laissons pas le sujet, hein? Ne laissons pas le sujet. Donc, parlons des Dougoutibi. Ah, au fait. N'étais pas là. Sinon, en tout cas, pour moi, là, en tout cas, quant à moi, là, il n'a pas dit quelque chose qui est mauvais. Il dit 10 ans, plus de. Il dit 10 ans de plus encore. C'est ça, c'est son pays, il est là, défendre. C'est Pour que ça. tu aies aujourd'hui que tu as la tête, tu puisses entendre ça. C'est pas parce que tu as su quoi, tu es tout le monde se renferme, tu dis toi, tu as renfermé. Puisque tu es un bouquin, tu as l'impossibilité d'aller de l'avant. En ce moment, sans où. Ah, c'est ça. Il faut les dire, c'est pas moi qui te suis beaucoup, hein, mais il faut les dire, ceux qui vont venir te suivre là-bas, qui vont faire les injures à travers le pays. Lui qui nous fait les injures, c'est mieux que tu le raccroches. C'est pas les dire pour faire les injures, c'est seulement pour venir dire ce que tu penses du petit. Ça, c'est Petit, la là, il a bien vérité. fait, il a bien agi. Il a bien fait, il a agi très bien. Il n'a pas parlé moi de quelqu'un. Il est venu s'exposer, quoi. Si ça te fait mal, si tu as fait ton buzz encore, ils vont venir te mettre, donc tu as fait ce que tu as envie de faire. Si tu veux faire couleur encore, tu as fait ton couleur. C'est ça. Sinon que, en tout cas, il n'a pas parlé mal de quelqu'un. Il n'a pas parlé mal de quelqu'un. Il a seulement défendu lui. Il a défendu ses intérêts. Puisque en Côte d'Ivoire, c'est ça qui a la mot. Tout le monde défend ses intérêts. Voilà. Chacun défend ce qui l'arrange. Donc, la personne qui l'a arrangé, qui a fait à ce qu'il a eu une ferme d'une valeur au moins des 5 millions comme ça, en Côte d'Ivoire, 5 millions de francs, ce n'est pas petit. Ce n'est pas tout le monde qui ont touché 5 millions. Grâce à son buzz, grâce au gouvernement de Côte d'Ivoire, il est monté dans un avion. Il a obtenu un passeport. Pour aller investir au plan, on n'est pas venu ici pour travailler pour le plan Ah, c'est ça. toute la vie.
C'est si ça. Quelqu'un me fait des trucs de suite là, c'est vite fait, moi il va l'investir au but là, si vous voyez que mon dame il rapporte là, il reste dans mon couloir. Voilà. On travaille ici jusqu'à 2h, 3h, on rentre dans la maison, c'est nous on est ici, on va l'oublier là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous dans la maison, c'est la pièce qui gagne dans la maison. Ça fait trop mal quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ciao, buona serata. Ok, ciao. Ok. Donc, c'était... Ah, on dit même que c'est 22 millions. Daouda Ouattara. 20... Ah, tu vois, 22 millions. Moi, j'ai cru même que c'était 5 millions. Hein? Imaginez, quelqu'un qui a reçu 22 millions de la part d'un gouvernement. Et puis, de vous à moi, il n'a qu'à laisser le gouvernement pour aller soutenir quelqu'un d'autre. C'est être bête ou bien c'est malédiction. Tiens. Il n'est pas maudit pour pouvoir faire ça? Non, tout de même. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir, vous êtes en direct. Ok, il n'y a rien de grave. Moi, c'est ma première fois, je n'ai jamais parlé. Je suivais tout à l'heure votre émission avec mon mari tout à l'heure. Oui. Par rapport à l'histoire, par rapport à tout. Oui. Je sais pas quoi là. Oui. Mais je comprends pas quelque chose. Nous sommes dans un pays et un pays de droit. Chacun est libre de supporter qui il veut ou bien chacun est libre d'aimer qui il veut. Parfaitement. C'est moi, comme ça. Pour moi, si je vois tous ceux qui complaient pour Djibouti là. Oui. Soit ce sont des illettrés et des personnes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire et qui ne connaissent rien dans la vie. Exactement. Merci beaucoup. Tout simplement. Si était pour Babo, aujourd'hui il est pour Adola, ça fait quoi? Eh, hey, ça gâte quoi? Et puis, le petit a très bien précisé, il a dit, celui qui est là pour arranger le pays, on le soutient. Tous ceux qui sont contre ce que Djibouti a dit n'aime pas la Côte d'Ivoire. Un point, c'est tout. Moi, c'est mon point de vue qui est là. Vraiment. Parce que tu aimes ton pays, tu dois supporter la personne qui arrange ton pays. C'est ça. Oui. Il était pas là. C'est ce moment dit. Moi, je ne soutiens pas Ado parce que c'est Ado. Parce que je suis Doula. Non, je ne soutiens pas Ado pour ça. Je soutiens Ado parce que c'est un homme qui est bien, un homme qui connaît la loi, un homme qui connaît le droit de l'homme. Exactement. Mais c'est ça. Ceux qui sont quittés au pouvoir là, ils ne connaissaient pas le droit de l'homme. C'est ça. C'est ça. Avec ça. Aujourd'hui, le pays avance, tout change en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni par Dieu. Parfaitement, c'est ça. C'est les personnes, je ne sais pas que Babo ou quoi la même là, les personnes de Babo ou bien qui là, vraiment, pour moi, ils n'aiment pas leur pays. C'est ça, parce que d'abord même là, je ne te coupe pas la parole, hein. Je ne te coupe pas la parole. D'abord, quelqu'un qui a dit que non, celui qui travaille pour le pays, nous on le suit. Et puis, si toi, tu es contre ce que les propos que le petit a fait, si tu es contre ça, c'est que tu es contre le développement de ton pays. C'est ça. Yeah, tu n'aimes pas ton pays. C'est ça. Et puis, en plus, ce même-là, que ce soit un père, une mère qui est contre Djibouti, qui n'aime pas son enfant. C'est ça. Parce que ton enfant qui doit aller à l'école, étudier, Seigneur mon Dieu, si toi, ton pays n'avance pas, il n'y a pas d'études en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a seulement que des guerres comme avant. Comment ton enfant va avancer? Non, l'enfant ne peut pas avancer. L'enfant... Les enfants vont à l'école tranquillement. Nous sommes en aventure aujourd'hui. Dieu merci, on a eu la chance. C'est ça. Nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire, aller dans un autre pays. Mais le droit de l'homme existe partout maintenant. C'est ça. Avant, il n'y avait pas de droit d'homme en Côte d'Ivoire. Non. Les enfants étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, quand même, ça va. Même si c'est un peu, ça s'améliore. C'est ça. Merci et bien. C'est Ado qui arrange la Côte d'Ivoire. Encore plus 10 ans pour Ado. C'est ça. C'est la partie qui fait mal. Si vous attendez, c'est la partie qui fait mal qui est là. Encore plus 10 ans qu'il a dit là. C'est ça qui lui fait mal. On va toujours dire, ok, il y a plein de pays qui ont eu guerre. Oui. Et quel pays, après la
la crise post-électorale que les choses ont développé. Non, ça, c'est du jamais vu. Moi, en fait, au fait, je n'ai pas encore vu ça. Dans mon travail, là, à chaque fois, je parle de ça. Quand il s'agit de politique, je dis ça. J'ai dit, mon pays a été le premier pays où, après la crise, en moins de 6 mois, tout a repris comme il se doit. Il était pâle. En moins de 6 mois, tout a repris normalement. Ça dit, tout est venu en ordre, comme si non, rien n'était passé. Ça, là, il faut un intellectuel pour faire ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Je te soutiens même. Je te soutiens à 100% puisque c'est ça même mon objectif aujourd'hui même. Parce que ça m'a fait tellement mal que non, quand les gens... Voilà, les gens sont en train de s'acharner sur le petit. Il n'a pas parlé mal à quelqu'un. Il a seulement donné son point de vue. Il a soutenu quelqu'un qui l'a arrangé, quelqu'un qui l'a fait du bien. Et vous vous acharnez sur lui comme s'il avait fait quelque chose de grave. C'est ne lui donne pas à manger. Mais si la voisine à sa tante lui donne à manger, il va aller chez sa tante, chez la voisine. Simplement, sans discussion. C'est elle qui lui a donné à manger. C'est tout à fait normal. C'est ça. Même si Fana, aujourd'hui, là, c'est pas que vraiment là. Comme si Ado ne les a pas appelés. C'est ça. Les mettre dans une maison. C'est ça. Les faire à soi. Les donner ce qu'il veut à soi, les gars, ils vont quitter les bagues. C'est ça. Sans discours même. En une minute. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est ça même. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis très content de ton intervention. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Ok, merci bien. En tout cas, merci. Je suis tellement content de ton intervention. C'est la vérité même que tu as dit. Ce que tu as dit, les exemples même que tu as donné, même là, non, ça rime bien. C'est ça. Arsène, bonsoir. Jean, au fait, il t'a dit que non, Maël Jean, mon frère, il t'a dit il ne se porte pas bien, c'est pour ça il ne fait pas les directs dans ces deux temps-là. C'est parce qu'il est un peu malade. C'est ça. Donc, Arsène, bonsoir. Comment tu vas? Daouda Ouattara. 2 jours, là. Il n'y a pas de problème, donc, c'est ça qu'il y a là, les gars. N'écoutez pas les gars. Voilà, pour celui qui peut donner son soutien à Dugoutigui de sa manière, là, il n'a qu'à donner son soutien au petit comme ça. Il n'y a pas autre façon de soutenir le client. Voilà, puisque pour moi, il n'a pas fait quelque chose qui est mal. Ce n'est pas mauvais ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Aïe, c'est son père, il défend. Comment? Ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Hein? Depuis, dans le temps du passé là, même là, les temps même qui sont passés là, c'est quel enfant même comme ça, c'est quel jeune même de la rue même qu'on ne connaît même pas comme ça, que le gouvernement a tiré de la misère comme ça. Donnez-moi un exemple. Ça n'existe pas. Tiens, tout ce qu'ils leur font là-bas là, les dons que les gens donnent aux gens là-bas là, c'est entre eux, les enfants des ministres, les enfants des DG là-bas, tout se passe. Hein? Non, le petit, lui, il est là pour quelque chose, mais qu'il ne savait même pas. Il a dit savon dans l'oreille. On lui donne 22 millions, on lui donne ferme, on lui donne terrain, on lui donne iPhone, on le met dans l'avion, il voyage, on lui donne passeport. Vous voulez quoi? Il n'a qu'à laisser ça pour aller soutenir quelqu'un d'autre, quoi. C'est être bête ou bien c'est malédiction. S'il n'a pas soutenu Ouattara, c'est que lui-même, là, c'est malédiction qui est derrière lui, quelle que soit son ethnie. Aïe. Moi-même, je suis en train de parler là, même là. Si quelqu'un même quelqu'un de l'opposition veut me donner un vrai chaos tout de suite là, il n'est même pas parlé de Ouattara même encore. C'est comme ça. Si Ouattara lui-même encore, il vient me donner encore Dieu même là, non, là c'est gâté. C'est gâté. La plus forte raison, quelqu'un qui est là, il... Non, au fait, arrêtez ça. Cher frère Gore, arrêtez ça. Hein? Ce genre de trucs là, ce genre de choses là, ce genre de comportement là, c'est pas bien. La politique là, c'est pas comme ça. Ça se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique ne se passe pas comme ça. Si vous voulez récupérer le pouvoir,
Allez, faites la politique. Voilà, n'amenez pas de la haine, ça dit, vous parlez de n'importe quoi, ça dit que non, vous tenez des propos qui sont, en tout cas, nauséabondes pour moi, je peux dire. Donc, je suis vraiment pas content. Donc, Dougou, au cas où le jour tu écoutes mon message là, mon petit, sur toi. Hein. Voilà, moi, il y a Broubro ton numéro, mais il t'a appelé. Il t'a donné mon soutien même. Didi, mais il t'a donné mon soutien. Il a allé sur ta page. Voici, il peut trouver ton numéro là-bas. Si il ne peut pas trouver ton numéro là-bas aussi, là, il a fait un effort. Il a appelé les vieux moraux. Il a appelé les frères. Il a fait un effort pour avoir ton numéro de téléphone. Il t'a appelé. Voilà, il t'a apporté mon soutien. C'est quoi hein? Ce qu'il t'a fait là, c'est pas mal. Faut même pas avoir peur. Mais ton grand frère même qui allait demander pardon à même là, lui-même là, c'est un malot. Sérieux? Ton grand frère là, Doutigi, ton grand frère qui est venu se mettre devant les caméras pour demander pardon à Saint Malo. Lui, c'est un gars là même là. C'est pas, il n'est pas devant. C'est un gars qui est bien à gifler. Sérieux. Toi-même, il se lève quand pour venir demander. Tu as fait quoi de mauvais? Puis, ou bien c'est toi qui lui as dit de venir demander pardon. Ouais. Sinon, courage, mon petit. Courage même, courage. Faut même pas avoir honte de quelqu'un. Faut même pas avoir peur. Où tu es là, tu es beau. Non, c'est quoi? Pour celui qui veut parler concernant le cas du petit, le numéro est disponible. Vous pouvez appeler pour parler. C'est quoi? Tu peux donner ton point de vue tranquillement, tranquille, sans discours. C'est quoi? Non, c'est quoi? Tranquillement, quoi? Jean, Maël Jean, le numéro, tu prends le... Bon, au fait, je vais mettre le numéro en commentaire. J'ai mis le numéro en commentaire. Voilà, Maël Jean. Juste en bas de ton commentaire, le numéro est là. Donc, tu peux appeler sur le numéro. Si tu veux intervenir, si tu veux donner ton point de vue, le numéro est là. Bon, je répète quand même, malgré que j'ai écrit ça. Le numéro, c'est 0039 35 12 69 93 90. C'est le numéro WhatsApp. Au fait, si tu veux appeler, n'appelle pas sur la puce directement. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Tu vois, non? Si tu veux appeler, appelle-moi sur WhatsApp. C'est mieux. Parce que si tu m'appelles directement sur mon truc, ça va interrompre la vidéo. Donc, c'est ça. C'est ça. Mon petit. Dougou. Non, les amis. Je n'ai pas quelque chose d'autre à vous dire. Parce que ça me faisait mal. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a des dames, il y a des mamans même qui s'asseyent. Elles sont en train d'insulter le petit. Elles sont en train de dire de n'importe quoi. On ne voit pas ton numéro. Ok, tu ne vois pas mon numéro. Si tu m'entends, il faut prendre 00 39 35 12 69 93 90. Voilà, parce que j'ai mis le numéro en commentaire, tu dis tu ne vois pas. C'est juste en bas, en dessus de ton nouveau commentaire et en dessous de ton ancien commentaire. Donc, ça est entre les deux. Bon, quand même, si tu ne vois pas, j'ai répété, je répète encore. 35, 00, 39, 35, 12, 69, 93, 90. Donc, comme ça... Tu peux appeler. Si tu ne vois pas mon numéro, quand même, tu entends. Tu entends ce que je suis en train de dire. Donc, j'attends. C'est ça? Non, je disais que je voyais les mamans, les tantes, les tontons qui étaient en train d'insulter le petit parce qu'il a fait ça, parce que le petit est un petit bété et puis il soutient l'autre côté. Ou bien, ils ont dit que non, la politique là...
Ça se limite seulement que chez les bêtés, quoi. C'est pas seulement que chez les bêtés, ça se limite. Tu peux être bêté et puis soutenir celui qui t'arrange. C'est ça qu'on appelle la politique. Tu peux être bêté et puis soutenir qui tu veux. Donc, c'est triste, quoi. Quand tu vois ce genre de propos, ce genre de situation, ça fait pitié, quoi. Sérieusement, ça rabaisse l'opposition. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est tellement triste que... Hein? Ça fait pitié. Ça dit tellement ils n'ont plus rien à faire, c'est sur les propos du petit qui a défendu son pain, ils sont venus s'acharner. C'est sur le petit, ils sont venus insulter, c'est sur le petit, ils sont venus dire de n'importe quoi. C'est des conneries, ça. Et d'avoir au moins, essayez de changer vos mentalités, essayez de réfléchir avec la tête un jour. Sinon, comme ça, là, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est ça, j'attends. S'il n'y a pas d'intervenant, je crois que je vais terminer, je vais couper la vidéo comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut appeler, je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. Parce que ce que moi j'avais à dire pour mon soutien aux petits, moi j'ai fini de dire. Voilà, ce que moi j'avais à dire pour mon soutien aux petits, j'ai dit. Donc, moi j'ai juste voulu partager votre avis. Voilà, si vous avez des avis, je veux juste partager, je veux vous entendre ce que vous pensez de la situation. Donc, pour celui qui veut appeler, c'est encore disponible, le numéro est là. Donc, vous pouvez appeler sur mon WhatsApp. Bon, dans le cas contraire, je crois que je vais mettre fin au live, effectivement. Ok, le numéro Carême, le numéro c'est 00 39 35 12 69 93 90. C'est ça le numéro. Donc, si tu n'arrives pas aussi à écrire, à prendre le numéro, tu mets ton numéro en commentaire. Moi-même, je vais prendre ton numéro et je t'appelle. Au fait, si tu veux m'appeler, ne m'appelle pas directement. Hein. Tu m'appelles sur WhatsApp. Voilà, il ne faut pas m'appeler sans WhatsApp parce que si tu m'appelles directement, ça va interrompre le direct. C'est ça qui faisait que non, le direct se bloquait depuis là. Parce que la puce est dans ce téléphone-là. Donc, si tu veux appeler, appelle sur WhatsApp. Donc j'attends. S'il n'y a pas d'intervenant, je crois que je vais terminer comme ça. Donc c'est ça. Attendez, et puis j'ai vu les propos d'une dame là-même là. Attendez, je vais chercher si je peux retrouver encore. Hein? J'ai vu les propos d'une dame sur le cas des Doux. Il faut voir comment elle est en train de parler. On dirait que c'est elle-même qui a mis l'enfant même au monde. Oh non, vraiment. C'est du n'importe quoi. Ça fait pitié. Sérieusement, ça fait très pitié. Hein? Et puis même ce que l'enfant même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais même? Qu'est-ce qu'il a dit qui est mauvais? N'a pas dit quelque chose qui est mauvais, il a juste exprimé. Il vient, une minute. C'est pas. Y a des moments, c'est pas possible quoi. Hein? Toi-même, tu es une mère, et puis tu te mets à dire de n'importe quoi, qu'on soit enfant de quelqu'un. À condition, M, là, il me demande même si elle est enfant. Karen, je t'attends, hein, parce que si tu n'appelles pas, j'ai fini de dire ce que moi j'avais à dire, donc je crois que je vais couper le live. Si tu ne veux pas appeler, bon, je vais couper le live. C'est comme ça. Donc, je disais que pour ceux qui veulent intervenir là, concernant le cas de Dougoutigui, le sujet, la sortie de Dougoutigui, tout le monde a commencé à l'insulter, tout le monde a commencé à parler de n'importe quoi sur lui. Tu vois, non? Donc, pour ceux qui veulent dire quelque chose là-dessus, quel que soit le bord politique auquel tu appartiens, tu peux appeler, tu vas donner ton point de vue. Voilà, tu donnes ton point de vue. Et si.
tu es pour ceux qui sont là l'insulter ou bien tu es contre ceux qui sont là l'insulter, tu donnes ton point de vue. Écoute, Maël, toi pour toi, c'est comment? Ça fait combien de fois je te donne mon numéro? Hein? J'ai mis mon numéro en commentaire. Tu n'as pas appelé. J'ai cité mon numéro. Tu n'as pas appelé. Tu demandes encore mon numéro. Toi-même, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Maël, c'est de toi que je parle. Donne ton numéro, je vais t'appeler. Enfin, je ne sais pas à quoi tu joues. Maël Jean, c'est de toi que je parle. Écris ton numéro en commentaire là, je t'appelle tout à l'heure. Faut descendre les commentaires là. Faut descendre. Si tu descends là, tu vas voir mon numéro. Tu fais copier-coller, tu m'appelles. Donc voilà ce qu'il a dit. Moi, là, moi, je ne fais pas politique. Moi, je n'ai pas parti politique. Où est-ce qu'il y a un mauvais dedans? Hein? Où est-ce qu'il y a un mauvais dedans? Où est-ce qui est mal dedans là? Voilà. C'est vrai, nous on n'est pas Dieu, hein? Mais c'est ce que Dieu a décidé. Ah, c'est tout. On compte 10 ans, c'est bouclé, c'est arrêté de voir. En plus, il a dit c'est vrai, on va libérer pour la paix. C'est que c'est quelqu'un qui est conscient, il est intelligent, il veut la libération, il veut que vous. Il veut que non, on libère vos leaders. Tu vois, vous voyez? Et puis maintenant, il dit, c'est vrai, on va libérer pour la paix. Et au lieu de vous estimer heureux, et puis vous êtes là, vous êtes en train de l'insulter. Bon, maintenant, et s'il fait une autre sortie encore, il va dire, bon, ok, on libère plus. Vous allez rester là-bas pour la vie. Vous allez dire quoi? Là, là, maintenant, vous allez aller vous pendre. Hein? Et essayez de respecter les gens un peu. Tchè. Ah, c'est quel comportement ça, là? C'est quel comportement ça? Arrêtez ça. Où est-ce qu'il a dit qui est mauvais, qui est un crime? Hein? Et puis maintenant, il faut voir les mamans maintenant. Eh non, Côte d'Ivoire. Faut voir les mamans maintenant insulter le petit. Ils sont en train de... Et puis voir son frère là-même aussi qui se lève, qui commence à dire de n'importe quoi. Il a dit quoi de mal? Et puis tu dis, je demande pardon à la nation ivoirienne. Tu demandes pardon pourquoi? À qui? Donc tu dis ici, ton frère là, faut le tabasser. C'est malot. Pardon pourquoi? Tu as demandé pardon pourquoi? Il a dit quoi qui est mauvais? Ou bien toi, son frère, même, tu es venu demander pardon, tu ne comprends pas français. Pardon à qui? Il a parlé. Dans ces propos-là, où est injure? Il y a des gens qui font des injures ici, là. Qui leur dit un mot? Mais essayez au moins de prendre les gens sérieux. Essayez de prendre les gens au sérieux un peu. Donc, c'est ça, les gars. Donc, vraiment, je vous aime. Merci beaucoup. Et c'est très bien. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, je vous remercie pour le temps que j'ai pris, pour votre temps que j'ai utilisé. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était juste mon point de vue que j'ai voulu donner concernant cette affaire. Maintenant, je me sens un peu libéré. Donc, merci beaucoup à vous. Passez une bonne soirée. Voilà. Et puis aussi, j'en profite aussi pour souhaiter mes condoléances à la famille de notre artiste, Erickson le Zoulou, à sa famille. Je ne sais pas s'il est marié. Bon,
S'il a une femme, mes condoléances à sa femme et à ses enfants, à sa famille aussi, tout le monde, vraiment, c'est triste. C'est triste. Nous sommes en train de perdre les artistes. Bon, vraiment, c'est pas. Ok, que son âme repose en paix. C'est ça. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Donc, on a la prochaine.